passer par le temps, je vais la faire hyper rapide. Je veux juste vous dire qu'il y a quelque chose qui existe. Alors, qui a un mobile Android? Qui a un mobile iPhone? Ok, qui a envie de faire des applications mobiles? Qui a pas envie de se faire chier avec iOS, avec Java, machin, etc. C'est sympa au boulot, mais à la maison, on a envie de que ça dépote. Alors, en fait, j'ai découvert un logiciel qui s'appelle Corona Labs. Qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme OpenGL. Dessus, il y a un layer pour faire du scripting en Lua et ça poutre. Je vous montre ce que ça demanderait. Donc, c'est un moteur de physique intégré. Ce truc-là, c'est environ 150 lignes de code. Okay. On peut voir les différentes physiques. Donc, c'est Box2D qui est intégré. Faire ce petit truc-là, en fait, là, je simule un touch sur l'écran. Pomme, flèche vers le haut, je simule un check du navigateur. En gros, il y a des événements sur lesquels on peut réagir. Comme c'est l'OpenGL, bah, ça poutre. Donc là, il y a un max de... Ça, ce sont des sprites à chaque fois. Il y a tout un écosystème de librairie qui est très sympa. Boum. Boum, 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 boum. Forcément, sympa. Donc en gros, c'est un petit moteur de particules à deux balles. C'est très marrant. Ok. Et forcément, on peut faire des trucs sympathiques. De ce type-là. Et tout ça, il n'y a pas un code qui a plus de 200 lignes. Voilà. Donc ça existe, Corona Labs, c'est gratuit depuis la semaine dernière. C'est du Lua. Dès qu'on change quelque chose, le code, le navigateur se rafraîchit tout de suite. Vous n'avez même pas besoin d'avoir tout le bordel de production des APK et des fichiers iOS. Tout ça est fait sur les serveurs de Corona Labs. Donc il n'y a pas d'emmerde, il n'y a que du code facile. Ça marche sur Linux, sur Windows et Mac. Et essayez, c'est vraiment très marrant. Bravo!